Salam alaikum, bienvenue aux téléspectateurs de l'Irtisadi el-Oula et dans l'émission Algérie verte. Les produits du terroir, puisque c'est de cela qu'il s'agit, appellation d'origine, trouvent leur, leur sens dans leur environnement géographique et culturel. Ils sont le fruit de transform, transformations de produits agricoles selon des méthodes ancestrales. Ils sont bio et constituent une quintessence qui atterrit forcément dans l'assiette des consommateurs. Pour en savoir plus sur cette activité et avoir des réponses inhérentes, nous avons invité le président de l'Association nationale des producteurs de produits du terroir, M. Lahlo Sidali, qui a bien voulu éclairer nos téléspectateurs. Quant à cette activité et aux divers aspects positifs découlant de la consommation des produits du terroir, dont il dit naturel. Alors, monsieur Lahlou, qu'en est-il réellement de cette activité en Algérie Bonjour. Euh, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation euh, à la chaîne que que je salue. C'est un, un effort formidable. Pour réussir, euh, il faut d'abord de l'économie dans tous les secteurs. Nous, on parle de notre secteur, donc euh, les produits terroir par excellence. Donc, euh, en Algérie, nous avons des produits de qualité irréprochables. Je j'ai rencontré des gens, des personnes qui ont vécu en Algérie. Ça fait très longtemps. Ils ont connu ces produits. Ils ont gardé leur goût, leur saveur. Et là maintenant, nous avons essayé de répertorier quelques produits. Et hélas, malheureusement, on a perdu beaucoup de variétés. Beaucoup de produits. Produits terroirs algériens. Et pour raison Pour euh, soi-disant un certain... Un mode de vie qu'on a commencé à vivre à partir des années 80, un autre style de vie, un autre, une autre culture de consommation. Occidentalisation. Exactement. Vous avez tout compris. Malheureusement, c'est ça ce qui a fait notre malheur. Maintenant, depuis à peu près une vingtaine d'années, les gens commencent à revenir vers la nourriture saine. Quand on dit la nourriture saine, c'est un produit local, sain, bio. Bio. Moi, je n'aime pas utiliser beaucoup le mot bio parce que c'est un nom commercial. Mais ce n'est pas grave. Biologiquement parlant, ça passe. Mais naturel, c'est plus beau. Naturel, tout court. Sans aucun additif, sans aucun rage. Exactement. Mais le mot bio, c'est devenu un logo de commerce, destiné pour certaines catégories de produits, certes pour se protéger aussi. C'est important. Chacun travaille pour non seulement dans la quantité et la qualité, mais le côté sanitaire aussi, parce que tout, tout, juste après, ce qui suit, c'est une certification, une analyse, une conformité pour chaque produit. Alors en étant, en étant justement des produits naturels, Oui. donc pour éviter de dire bio. Oui. Alors s'impose-t-il réellement sur le marché local Ah oui oui oui. Maintenant, je reviens justement. Je suis en train de développer dans ce sens. Maintenant, à partir, à partir il, y a, il y a maintenant trois ans, disons 2019, après l'épidémie, l'épidémie en Algérie, qu'est-ce que c'est que l'épidémie C'est un virus destructif d'immunité. La personne qui n'a pas l'immunité ne peut pas résister à ce virus. C'était catastrophique pour certaines personnes parce qu'ils n'ont pas cette immunité qu'elles doivent acquérir. Produit sain et de nourriture saine et d'un produit de terroir. C'est de là que vient le, cette immunité. Et là, on a constaté une forte demande du consommateur algérien vers ces produits. C'est une réalité. Moi, je reçois des coups de téléphone, même la nuit. Où est-ce que je peux trouver ça Où est-ce que je peux trouver cette huile, cette plante, ceci, etc. Les gens recherchaient des produits pour. Soi-disant se défendre et nous qui avons tous les moyens et ces produits de qualité qu'on a négligé de laisser qui pouvaient nous donner une santé, un bien-être et une économie quand on dit une économie parce que une personne en bonne santé et c'est ce qui fait l'économie de la santé publique parce que maintenant prendre en charge un malade c'est beaucoup d'argent, ça coûte trop cher. C'est clair. Très bien. On, on, tout le monde est d'accord à travers le monde maintenant. Tout le monde qui revient vers les produits sains, les produits locaux et les produits, les produits du terroir local. Et pour ce faire, nous en tant qu'association, moi je suis producteur à la base, donc je suis producteur des différentes céréales après transformées en pâte, en couscous, en divers produits. Dieu merci, j'ai réussi à développer cette farine complète, naturelle, qui vient du blé local de notre pays, qui n'est pas traité, et les gens qui demandent ce produit. Pourquoi Parce qu'ils veulent éradiquer la farine blanche qui ne vient de l'étranger, malheureusement, qui n'est pas produite en Algérie. La semence locale, c'est une semence qui résiste à, toutes les, à tous les climats. Et par rapport au changement climatique, par rapport à la faiblesse de la pluviométrie, l'irrigation, le manque d'eau à la base, nous avons une semence qui résiste. On a développé une variété d'orge à Socaras qui s'appelle Chernb. C'est une variété à rendement très élevé et qui résiste à toutes les, les conditions climatiques. C'est pas une valeur, c'est pas une grande valeur ajoutée. C'est très important. Donc maintenant, si on essaie de développer encore plus dans ces produits, on parle. Donc on est là. Donc on va parler économie. L'économie. C'est produire, rien d'autre. Vous êtes d'accord avec moi, absolument. Produire, produire et produire. Par la suite, améliorer le produit, sensibiliser le consommateur à consommer le produit local sain, propre et juste à la fois. C'est ce qui fait que maintenant, nous avons des jeunes, les moins jeunes, les, les, les vieux qui travaillent, qui travaillent avec leurs propres moyens pour produire un produit de qualité que vous voyez sur le marché. Je parle de moi et je parle des autres depuis plus de 20 ans qu'on est en train de faire la promotion des produits du terroir algérien avec toutes les institutions pour aider le producteur à trouver des débouchés pour se développer. Au-delà du développement, est-ce qu'il y a des producteurs qui, qui envisageraient euh, éventuellement d'exporter ces, ces, ces produits Monsieur Alturé, on a participé à des salons à l'étranger. Plusieurs salons, que ce soit de l'agroalimentaire ou que ce soit de l'agriculture. Et quand on parle de l'agroalimentaire, c'est automatiquement l'agriculture, c'est le produit agricole. On a eu des, des, des c'est-à-dire des producteurs qui sont venus avec nous. Ils ont exposé, ils exportent leurs produits et les demandaient. Très bien. Elle est très demandée. Nous avons des produits de qualité qu'on peut, peut facilement placer sur la, la, le marché international. En mars passé, nous on est conventionné avec la Chambre nationale de l'agriculture. Elle nous accompagne dans toutes nos actions. C'est l'institution qui nous aide et qui nous accompagne dans toutes les, les, -à -dire les activités. On a participé à un salon de l'agriculture en France, salon international. C'est un carrefour et un rendez-vous. C'est le CIAL le, le CIAL, voilà. Et on avait beaucoup de producteurs avec nous et on a invité beaucoup de professionnels dont le but de l'exportation la mise à niveau, la formation parce que produire c'est un métier, exporter c'est un autre. C'est un autre métier. Petit. On est d'accord. C'est important. L'économie elle fonctionne comme ça. Produire producteur, c'est une formation de base. Il faut savoir produire, il faut savoir protéger sa production. Exporter et placer les produits sur le marché international, herfa autre. À notre métier. On a organisé une sortie à Rangis, parmi les plus grands marchés du gros de l'Europe. Et on a, été, on a été reçu par euh, une patriote algérienne qui travaille en tant que responsable à Rangis. Je peux citer son nom, Zahia. C'est une brave femme qui nous a aidés. Et il a fait visiter à tous les opérateurs qui, ont, qui sont venus d'Algérie le marché de Rangis, comment il fonctionne. C'est des avions qui arrivent directement à a un produit, quand on appelle un produit de la fourche à la fourchette, qui peut prendre 4 heures de temps, de la cueillette jusqu'à l'assiette. Vous imaginez la rapidité. Vous imaginez le métier d'un exportateur à quel, à quel niveau qu il peut se situer pour arriver à servir et honorer ses engagements par rapport aux au clients ils ont vu que c'est des choses très très importantes parce que l'agriculture c'est un produit périssable qu'il faut protéger, qu'il faut calibrer, qu'il faut mettre sur le, le, le c'est-à-dire sur le marché avec toutes les les cahiers de charges, les conditions et les, les critères, oui. et critères. Alors, ces professionnels producteurs justement est-ce qu'ils bénéficient euh, d'un quelconque soutien de la part des institutions financières Franchement, Franchement, euh, quand il s'agit d'un soutien, donc euh, on n'est pas arrivé à parler d'un grand financement des marchés, du, de, de trucs qu'on appelle l'affir qui existe déjà. Le petit producteur, le petite petite croix, producteur exemple, que le petit producteur peut devenir un grand producteur. Mais c'est ça. C'est euh, les petits ruisseaux oui. qui font les rivières. C'est comme ça qu'on dit. C'est les petits ruisseaux qui font les rivières. Quand on a 10 producteurs dans les agrumes, chacun produit une tonne, on a 10 tonnes. C'est comme ça, c'est clair. Moi je peux, je, peux, je peux citer quelque chose qui existe, faut pas, il ne faut pas dire qu'il n'y a, y a rien, il y, y a des choses quand même importantes. Au niveau des chambres de l'agriculture de toutes les wilayas, au niveau des, des instituts aussi, des institutions qui appartiennent au ministère de l'agriculture, ils leur donnent quand même des formations gratuites. Ils forment le producteur, ils l'aident un peu dans ses activités pour une mise à niveau, et pour être au niveau, c'est-à-dire euh, compétent pour produire le, 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 le produit, c'est-à-dire la récolte, oui. ça c'est bien, ça c'est bien. Mais moi j'ai demandé autre chose. J'ai demandé à faire un financement surtout les petits agriculteurs dans la petite mécanisation. Dernièrement, quand ils ont fait la loi d'importation des véhicules roulants, matériel roulant moins de 10 ans, moins de 5 ans pour les agriculteurs. J'ai dit, pourquoi vous n'associez pas les petits producteurs qui peuvent ramener des petites machines Pensez à la femme rurale. Pensez aux petits producteurs, l'agriculture familiale. Ça s'appelle l'autosuffisance familiale. Au moins, il a son potager. Il n'a pas besoin de l'État pour qu'il lui ramène des pommes de terre. Et son Et Il peut s'autosuffir aussi à son... Petit... L'environnement. Micro... Tout le... C'est-à-dire l'environnement, le, voilà. le, le, c'est-à-dire l'entourage. C'est oui. comme ça qu'on a... Et on a même proposé aux ministres, qui sont déjà passés, de créer le marché local, le marché des produits locaux dans toutes les localités. Ça permet de développer les, 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 cette filière. Okay, ça, fait, ça lui donne un, un roulement. Euh, exactement, euh, au, de trouver ouais. des débouchés. Donc si on n'aide pas le producteur à vendre sa marchandise, il ne va pas résister, il va disparaître. Il faut, il faut vendre. Et l'État peut réguler, parce que quand il y a l'offre, il y a le, le, moins de transports, moins de déplacements, moins de... En plus, en plus de tout ça, vous avez un produit sain. Sain. C'est pas parce que les gens... Maintenant, si on parle des pays les plus développés, ils sont avancés, ils ont utilisé tous les produits chimiques du monde. Leur but, c'est de multiplier leur production, oui, le potentiel. On appelle l'intensif. L'intensif, vous avez tout. Donc nous, par chance et par manque de moyens, le petit agriculteur n'a pas les moyens d'acheter ses pesticides. Donc il est resté naturel. J'utilise le mot que vous voulez, bio. Allez, ça passe. Il est resté et il produit quand même. Il produit, il est là, il est sur le marché. Donc il présente un produit sain et de qualité. Ça veut dire que maintenant, les grandes institu institutions hôtelières dans le monde, ils sont en train de créer dans leurs restaurants, leurs espaces de restauration, un coin terroir, nourriture saine. Oui, ça c'est une... la petite mode, effectivement. Oui. C'est une chose qui va arriver aujourd'hui, demain. Nous, par chance, on habite la zone rurale, on a la chance de consommer sainement, sans le savoir. À un moment donné, moi, j'ai fait un couscous au, au gland. Le gland, Belote. Belote. Bel J'avais reçu un ambassadeur, je ne cite pas de quel pays, ce n'est pas grave. Il est venu, il manger le couscous de Belote. Il y avait quelqu'un qui était ancien responsable, ancien responsable de l'État. Il m'a dit, monsieur Elahlou. À, à une certaine époque, on mangeait le couscous. De glands et on ne se rendait pas compte qu'on était en, en train de manger une nourriture saine. On se disait que c'est une nourriture des pauvres. Non, la nourriture des pauvres, c'est une nourriture saine. Exact. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Parce que le pauvre n'utilise pas les produits chimiques. Il travaille sainement, il a sa petite production, même s'il n'a pas la quantité qu'il le faut pour multiplier, pour développer, pour avoir plus de production, ils utilisent un peu les moyens de traitement chimique, et ne les fait pas. Pourquoi ils ne les fait pas Parce que d'abord, il n'a pas les moyens, et maintenant, par chance, il est conscient. Maintenant, c'est la conscience. Ils ne les utilise pas parce qu'ils refuse de les utiliser. Nous avons des producteurs qui ont des, 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 des céréaliers qui produisent pour moi du blé. Pour faire un blé sain, Et là, il, il accepte le faible rendement de 15 à 20 quintaux par hectare, il ne traite pas. Et, il le sait bien, s'il traite, il aura 50, il aura 45 par hectare. Mais vous, je fais un produit sain, je suis tranquille. J'ai ma clientèle, maintenant la tendance, les, les, les gens s'éveillent. Elle commence à connaître, blé, manger sainement, c'est pour ne pas avoir une ordonnance sale. Et on est allé plus loin, à faire quand même, j'ai participé dans des séminaires à l'étranger, en Italie, en France, en Autriche, en Allemagne. Maintenant, ils ont fait des statistiques, monsieur Maturi, je vais vous dire, là, ça va vous étonner. Trois personnes sur cinq en Europe. 3 personnes sur cinq, par manque de nourriture saine, de l'agriculture saine et des produits propres, ils vivent des compléments alimentaires dans leurs sacs et dans leurs cratables, les hommes et les femmes. Et c'est une réalité. Que la vitamine C, le le magnésium, le potassium, etc. C'est etc. simple. Il va à la pharmacie et ça se vend trop cher et nous, nous avons la chance de les trouver dans nos produits sainement. Alors, donc, vous savez un peu, vous savez le potentiel, c'est-à-dire l'importance de tous ces produits. Bah, au, vu, au vu de l'importance de ces produits, justement, on voudrait savoir, euh, on voudrait savoir pourquoi ces, pe ces petits professionnels ne sont-ils pas de gros professionnels Et, et là, là, là je, je vous interpelle sur, sur les, les possibles, les possibles euh, difficultés auxquelles ils font face. De nous dire, euh, quelque... Les difficultés Premièrement, chose qui a été faite par le ministère de l'Agriculture, et c'est quelque chose de magnifique, mais ce n'est pas une chose qui va se faire en une ou deux, trois, quatre, cinq ans. C'est la banque des semences. Très bien. La banque des semences, quelque chose, c'est comme si avoir une réserve, une, une qualité de semences adaptable et qui résiste à tous les changements qu'on vit ici en Algérie, que ce soit dans tous les céréales. Hein. C'est-à-dire, mais et les céréales, dans toutes les semences, je veux dire, toutes les semences, que ce soit les maraîchers, que ce soit les semences céréaliers, etc. Maintenant, comment réussir à multiplier ces semences Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler Ils se trouvent obligés de ramener de la semence de l'étranger pour produire. Moi, je n'aime pas ramener une semence d'Espagne ou de quel pays en Europe pour le faire en Algérie, étant donné que nous avons une semence. Que ce soit dans les semences, que ce soit dans le bétail, que ce soit l'élevage, que ce soit la vache qui résiste, la vache de chez nous, la chèvre de chez nous, la poule de chez nous, le lapin de chez nous, parce qu'ils s'adaptent, ils, ils vit au climat. Ils ont ramené des chèvres de Suisse, ils les ont ramenées dans le sud chez nous, ils n'ont pas supporté. Parce que c'est des chèvres, c'est des chèvres qui vivent dans un pays à un climat spécifique. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Maintenant, il faut travailler sur la banque de gênes, le développement, le, 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 dans l'élevage aussi, c'est important. Regardez, nous, on a organisé trois, trois éditions du salon du fromage artisanal en Algérie. Je crois que vous étiez là vous avez, vous avez beaucoup aimé ce concept. Absolument. Magnifique. Parce que faire connaître, retirer de l'intérieur du pays les gens qui travaillent dans le noir. Les pauvres, ils ne sont pas connus. Ça, je veux, quand je dis dans le noir, cest des dire caché. Mm -hmm. Ils n'ont pas de moyens, mais ils ont savoir une, une, Un grand savoir-faire. Savoir oui. Depuis 2018, 2019... 20, 21 et 22, c'est des dizaines de producteurs de fromage qui se sont créés à travers le pays grâce à ces salons. Parce qu'ils se sont rencontrés. Ils ont échangé beaucoup de savoir-faire, beaucoup de, -à -dire de matériel, de manque, que ce soit des chèvres, que ce soit l'aliment de bétail, les techniques de travail, etc. Et une simple petite formation, et ça lui permet de produire un fromage de qualité. On a vu du fromage. On a reçu des ambassadeurs d'Hollande de et de Suisse qui sont venus. Ils ont rempli leur mal de fromage d'ici en Algérie et s'attendaient pas à trouver un goût de fromage de qualité. Pourquoi Parce que nous avons un pâturage. Nous avons des herbes. Nous avons des montagnes. Nous avons aussi la nature. Et nous n'avons pas de produits chimiques. On leur fait. Est Il est clair que le développement de ces activités. Euh, c'est un impératif, ça devient un impératif. Et dans ce sens, je voudrais savoir ce que la tutelle, le, le ministère de l'Agriculture qui est le premier concerné, oui, que, oui, que oui. il justement dans, ce, dans cette démarche euh, qui est là-bas Maintenant, maintenant euh, c'est-à-dire euh, pour les grands, les grands producteurs, euh, côté financement, accompagnement, etc., ils existent des moyens, il n'y a pas de souci. Pour le petit, agro... le petit producteur, comme on a parlé tout à l'heure, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on est en train de dire qu'il faut penser à ces producteurs pour d'abord... Vous savez, quand on travaille la terre dans les montagnes, on développe déjà un climat sain. On développe une verdure. Vous avez appelé l'Algérie verte. D'où est-ce qu'il vient cette verdure Il faut que le travail de l'homme. C'est l'homme qui va faire cette verdure, qui va créer l'Algérie verte. Donc il faut rendre toutes nos montagnes vertes avec qui Avec la femme rurale, l'agriculture familiale, le petit agriculteur, les anciens, les parents, les vieux qui sont en train de garder. Moi j'ai trouvé des vieux qui ont des vieux qui ont, qu ont des semences. Juste leur semences et la font chaque année. Ils n'ont pas besoin d'acheter leur semence. L'agriculture redevient une culture, une culture. Une culture, une culture. Et, et maintenant, maintenant. C'est vrai qu'au niveau du ministère, ils sont conscients. Hein. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une émission, moi j'ai intervenu sur la Chambre 3, il y avait une dame, une, une dame très sympathique, elle dit qu'il est le temps de sortir des bureaux, aller se sortir dans les champs, voir les agriculteurs, oui. leur parler, et quand vous allez revenir au bureau, vous avez beaucoup d'informations. Oui. Et c'est là que vous pouvez prendre une décision fiable. Alors, vous avez plaidé pour davantage de valorisation euh, des produits du terroir en vue de leur introduction sur le marché international. Oui. Alors ce cri-là, que j'estime être un cri, un appel, oui. est-ce qu'il y a eu des échos Nous avons élaboré un projet, nous avons préparé un projet, nous en tant qu'association. D'abord, on voulait commencer par mettre juste un label. On ne voulait pas aller plus loin parce qu'il faut, il faut s'organiser à la base. Reconnaître d'abord le produit. Du terroir algérien, avec un petit label. On l'a appelé dans le dossier qu'on a transmis au ministre. Il y avait des partis, M. Hamdani, donc le ministre, euh, je ne sais pas s'il a eu la suite ou pas, mais on a transmis tout un travail. On leur a dit voilà, on a mis une, a élaboré une, une liste de produits. Chacun qui sort avec son produit au marché, les gens, le soutien, l'accompagnement, leur disent oui. Il faut reconnaître ce produit en tant que produit terroir algérien. Donc, il a un petit label tout court, tout simple. TA, terroir Algérie. Terroir... Très simple. Très on a travaillé. Hein. Il y avait pas mal de mes collègues, à moi, mes membres de l'association, on a travaillé sur ce sujet, sur ce projet, et on l'a terminé, on l'a présenté au ministre. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quels, quels sont les produits qui ont été labellisés, labellisés justement grand-chose. C'est-à-dire avant d'arriver à l'habilisation, il faut d'abord répertorier le produit. Tous les produits. Donc, avec le répertoire, on voulait faire ça. On parlait avec la direction de l'habilisation et des produits de développement, de la vulgarisation au niveau du, du ministère. On a tenu des réunions avec eux. À chaque fois, on leur fait des propositions. C'est normal. Mais il faut agir. Parce que le temps, c'est ça. Il faut agir. Nous, le but de ce logo qu'on a proposé, c'est d'abord de protéger nos produits qui nous viennent de chez les voisins, d'autres enfin, de, de, pays du monde. Dès qu'ils rentrent en Algérie, on reconnaît déjà que c'est pas de chez nous. On a un petit label. C'est une empreinte. C'est une empreinte. Tout simple. Après, par la suite, les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui nous regardent, a rien qu à rien qu'à nous voir organisés dans ce sens avec un petit logo, ils disent tiens. Ah, c'est produit déjà algérien. Mat in Algérie, terroir Algérie. Là, on reconnaît. Après, je m'excuse. Après, par la suite, arriver à un certain niveau où il faut labelliser. Parce qu'il ne s'agit pas de labelliser, M. Mentore. Il s'agit de suivre la labellisation. Très bien. Il ne s'agit pas de faire un label il est là. Mais la faisabilité, le suivi, le contrôle, l'autocontrôle, le contrôle interne, je ne sais pas si vous avez des idées sur l'habilitation. La c'est très compliqué. D'abord, c'est contrôlé par tout le monde, et c'est contrôlé par les professionnels eux-mêmes. C'est eux qui s'organisent, c'est eux qui font tout ça, parce que l'État ne vous fait rien. Il vous fait une institution, une loi, un règlement, et puis c'est qui le contrôle? C'est le professionnel, c'est le producteur. Parce qu'à la base, les entreprises actuellement qui sont en train de labelliser en Europe, c'est des associations, c'est des groupements professionnels. Ceux qui font le label bio, c'est des groupements. C'est des groupements de professionnels entre eux qui s'organisent pour se protéger, pour valoriser leurs produits. C'est ça le, le, le plus important. Mais nous, ça n'existe pas, ça. Mais est-ce que la labellisation, est-ce que ce n'est pas une, une phase qui peut conduire à la certification d'un produit C'est deux choses différentes. Oui. On labellise un produit parce que c'est un produit IG, c'est-à-dire euh, géographiquement, géographiquement identifié, un savoir-faire, un savoir culturel, ou l'originalité, l'AOP, l'appellation, euh, le, le, le produit local. Après, on va passer à une autre phase. Je parle toujours dans la labellisation. Il pourrait y avoir un même produit, un même produit, labellisé en Algérie dans cinq régions. On prend un seul produit, le même, mais il est différent d'une région à l'autre. Donc il peut y avoir cinq labels. Quand il vous dit les figues de tel endroit et les figues sèches de tel endroit, il y a une différence. Les, les dates, pareil. L'huile d'olive, pareil. Donc, ça, on l'a appris. On l'a appris chez les gens qui nous sont devancés, qui ont fait déjà la labellisation. De... Un fromage, une variété de fromage, une variété de camembert, elle est reconnue par la labellisation de sa région. On trouve 5-6 camemberts labellisés, de même, mais dans 5-6 régions du pays. C'est également une façon de protéger le produit. c'est protéger. Très bien. Protéger Très bien. Après, la certification. La certification, c'est une autre méthode. C'est certifier un produit, ça peut se certifier dans tous les produits, pas uniquement les produits agricoles, hein. dans tous les produits. La certification, c'est la conformité. La conformité aux normes étrangères. Au cahier de charge. Ah, au cahier de charge, au cahier de charge parce que dans... oui, les normes internationales, mais malheureusement, chaque pays a ses normes. Attention. La certification, elle peut être acceptée aux États-Unis, mais pas en Europe. Les pays du Commonwealth, ils ont un autre, un autre, un autre système, un autre cahier de charge, carrément différent. Vous voyez un peu. Mais la certification, quand même, c'est une valeur ajoutée. Après la certification, il y, a cer il y a la certification du produit en tant que bio, en tant que naturel, en tant que etc. Dans ce sens, il y a ce qu'on appelle d'autres appellations de référence. ESO, ESO 9000, ESO 22000, etc., dans l'industrie, ça s'appelle certification. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu dans le... Mais c'est pas grave. Ça, c'est pour, pour la protection et l'assurance et la conformité du produit vis-à-vis d'échanges entre le producteur et le client. D'accord. C'est pour se dire, j'achète un produit conforme. Alors, vous... Vous risquez <laughs> le... le, 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 port... le... Vous êtes vraiment. Euh, vous croyez en ce que vous faites, monsieur Lahlou Est-ce que euh, ça, vous donnez l'impression que ce, ce secteur va être vraiment développé dans Oui, chose oui, oui, développé, forcément. Vous êtes parce que ça s'impose maintenant, ça s'impose, ça s'impose. Quand on parle, parce que quand on revient au produit, et on revient au producteur, au professionnel, et à l'autosuffisance alimentaire, et l'autosuffisance sanitaire. C'est plus important aussi. Parce que maintenant, il y a des produits avec les changements climatiques, avec les, avec, avec les, avec les guerres qu'il y a maintenant. Imaginez maintenant, moi je vais le dire parce que ça fait peur quand même. Imaginez qu'il y a des trucs qui vont se déclencher comme ils ont été ailleurs. La radioactivité. Qu'est-ce qui peut contrôler ça On va recevoir des, des produits alimentaires. Donc il vaut mieux, mieux contaminer le corps humain. Il faut se protéger. Il faut produire localement. Pour une assurance sanitaire, il faut produire localement. Très bien. Alors, ça, ça... Euh, vous avez certainement un message à transmettre. Vous avez quelque chose d'important à communiquer euh, via... Moi, je dis maintenant, on est là. Maintenant, on est là. On essaie de travailler. On essaie de faire ce qu'on peut. Et on fait appel à tous les professionnels parce que c'est une affaire de tous. De s'intégrer, de s'impliquer. Moi, je parle uniquement dans l'alimentation, pas plus ni moins. Il faut manger sainement. On se trouvera des idées, ne vous inquiétez pas. Mais il faut, il faut d'abord se... Et un mot que j'ai toujours dit, faites confiance à notre agriculture. Parce qu'elle vous a démontré qu'elle pouvait vous satisfaire en quantité et en qualité. Que ce soit les fruits et les légumes. Et faites aussi confiance dans nos transformations. Parce qu'il y a des gens, il y a des, il y a des opérateurs qui se sont fait beaucoup de mal. Pour créer entre, leur entreprise et, et produire. La gloire, la gloire marche aux côtés de, du sacrifice. Exactement, c'est clair. Et vous trouvez dans les étagères, dans les grandes surfaces, des produits de qualité algériens, faits par des Algériens, produits par des Algériens qui sont là. Ils sont, ils sont arrachés les cheveux avec toute la bureaucratie, avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent, mais ils ont quand même réussi à présenter un produit qui est là sur l'étalage. Et je dis en un seul mot, manger sain, manger algérien. <laughs> manger bon, hein. algérien. Merci beaucoup, monsieur l'ADE. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.